Samedi 4 décembre, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de ce journal. Clôture des travaux du 8e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Nous ferons le point sur cet événement dans un instant. Au Mali, au moins 30 morts et 17 blessés dans une nouvelle attaque encore non revendiquée. Un bus a été la cible d'un groupe d'hommes armés. Sport, football, deuxième journée de la Coupe arabe. L'Algérie qualifiée face au Liban. On en parle dans ce journal. Aujourd'hui marquait l'ouverture de la conférence nationale sur la relance industrielle à Alger, un événement organisé par le ministère de l'Industrie qui s'étalera sur 3 jours. Au menu, établir une vision stratégique du secteur industriel et mobiliser les acteurs autour des objectifs de la relance économique. Une conférence présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Les détails avec Mohamed Wali Ben Chaben. À l'ouverture des travaux de la conférence nationale sur la relance industrielle qui a eu lieu ce matin au Palais des Nations, le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune a réitéré le ferme engagement de l'État pour lutter contre la bureaucratie et la corruption qui entravent le pas de développement de l'économie nationale. يعني هذه كلها علامات انحطاط 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 رهيب ما يخص تصرف الاقتصاد نتاعنا ملايير دولارات صرفت في مصانع في اخر يجي ان بيروقراط قال رخصه انك نعطيها لك روح الشهر الجاي نعطيك الرخصه يعني فهم روحك ادفع كل شيء ماشي بالرشوه وهنا نقول راه فيه مكتب خاص بالنسبة لوسيط الجمهورية اللي راه يشتغل مباشرة معايا كل ما هو مظلوم من هذا الطراز هذا من هذا الظلم هذا مادا بيا فورا يتصلوا بالوسيط الجمهورية ونشوفوا شكون اللي عنده الحق. Le président Tebboune a assuré que l'État accompagne tous les opérateurs économiques afin de diversifier l'économie algérienne pour la remettre sur la voie de croissance durable. احنا عطينا تعليمات وقولوا لي راه تطبق ولكن فيه بعض المواد اللي ننتجها هنا محليا ما نخليهاش تدخل راني نحوس على اقتصاد وطني اون ايكونومي باتريوتيك وطنيه اللي ما عندوش روح الوطنيه يبعدنا كاينا. Dans ce même sillage, le président de la République Abdelmadjid Tebboune affirme que 2022 sera une année consacrée exclusivement à l'économie. Cet événement qui se déroule donc au Palais des Nations, notre journaliste Khairedine Battache y était. Il est d'ailleurs présent avec nous ce soir sur le plateau pour en parler. Bonsoir Khairedine. Bonsoir Fatma. Donc, on vous écoute. Alors, l'année 2022 sera une année économique. C'est avec ces mots que le président de la République a qualifié l'avenir proche de l'économie nationale à l'ouverture de la conférence nationale sur la relance industrielle qui, selon lui, devra passer par la passerelle de la relance industrielle. Et à quoi faut-il s'attendre plus concrètement? Alors d'emblée, deux objectifs principaux se dégagent. Premièrement, porter la part de la production industrielle dans le PIB national de 5 à 10%, entre autres à travers la relance de certaines entreprises publiques dont l'activité a été mise en stand-by. Deuxièmement, le développement des exportations via l'amélioration du climat des affaires et la libération de l'acte d'investir. Le président de la République a employé un ton ferme avec un message clair. L'État travaille à supprimer toutes sortes de barrières à l'entrée, notamment celles en lien avec la bureaucratie et la lourdeur des procédures administratives. Donc selon le président Fatma, si cette mission est menée à bien rapidement, cela se traduira par la création de 75 000 nouveaux postes d'emploi. De son côté, le ministre de l'Industrie Ahmed Zardar a annoncé un plan d'action qui repose sur 4 piliers, à savoir la réduction des importations, nouvelle feuille de route ambitieuse
pour la promotion du Made in Algérie et enfin la réduction au minimum des importations pour ouvrir la voie à la pénétration des produits fabriqués localement sur le marché national. Merci Khaledine Battache d'avoir été avec nous et d'avoir partagé avec nous cette première journée donc de la conférence nationale sur la relance industrielle qui se déroule à Alger sur 3 jours. On va parler politique. Le FFS a tenu une conférence de presse au niveau de son siège national à Alger pour faire le point sur les résultats des élections. Notre journaliste a profité de l'occasion pour questionner le premier secrétaire du parti sur leur position quant à la situation régionale et internationale que vit notre pays à la lumière des dernières évolutions. Sofiane Baroudi. Le Front des Forces Socialistes a convié aujourd'hui la presse nationale à une conférence au niveau de son siège à Alger. Après la lecture d'une déclaration, le premier secrétaire du parti a répondu aux questions des journalistes. Concernant la conjoncture critique que vit la région, notamment après l'officialisation de l'alliance belliqueuse entre l'entité sioniste et la monarchie marocaine, le représentant du plus vieux parti d'opposition algérien a exprimé la position de principe du FFS. Concernant le traité militaire, nous avons eu des positions claires et courageuses concernant certains partis qui veulent donner un appui au niveau de la région du Maghreb, ce que nous avons dénoncé et nous réitérons encore une fois dénonciation par rapport à cette attitude hostile à l'Algérie et à tous ceux qui veulent aujourd'hui donner un espace d'appui pour l'entité sioniste afin de se positionner dans la région du Maghreb. Relativement à la crise diplomatique profonde entre Alger et Paris, et particulièrement autour des questions mémorielles, le parti reste fidèle à l'héritage de Feu Hossein Aït Ahmed, historique de la Révolution. Pas comme le souhaite la France actuellement, qui continue de traiter avec l'Algérie comme avec des rapports de colonisé à colonisateur, alors que l'Algérie est un pays souverain, l'Algérie est un pays libre. Notre pays est clairement visé par des stratégies de déstabilisation menées depuis l'extérieur, par une coalition triangulaire. Le FFS préconise, afin de faire face aux dangers et de relever les défis, une union patriotique et la construction d'un consensus national. Le Front des Forces Socialistes est très, très attaché à la souveraineté, est très attaché à l'unité du pays, est très attaché à la sécurité nationale qui implique d'autres aspects que nous devons intégrer dans notre analyse en tant que société, en tant qu'État, parce qu'aujourd'hui, les stratégies de défense ou la sécurité nationale, Amn al-Qawmi, implique à ce qu'il y ait des institutions fortes, à ce qu'il y ait une adhésion à un projet national qui pourra être un rempart à tous les risques que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Enfin, la séance a été levée sur une note de détermination. Clôture des travaux du 8e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique aujourd'hui. Durant cet événement qui s'est étalé sur ces 3 derniers jours à Oran, plusieurs thèmes ont été abordés, à savoir la lutte contre le terrorisme et l'assèchement des fonds destinés au financement du terrorisme. Les détails avec Souhila Akilal. La lutte antiterroriste est l'un des thèmes les plus importants abordés lors des débats du 8e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Une coopération étroite entre l'ONU et l'Union africaine est nécessaire pour lutter durablement contre ce fléau qui touche le continent africain. Nous avons tous fait le constat que le défi du terrorisme se développait, s'accroissait sur le continent africain et que la coopération entre les Nations Unies et l'Union africaine était un des instruments essentiels pour mieux répondre à ce défi. L'Algérie, qui a fait face au terrorisme par le passé, est sollicitée pour sa solide expérience en matière de lutte antiterroriste. L'Algérie a réussi à tourner la page d'une crise qui était extrêmement grave et en un temps assez court, parce que quand on pense à la décennie, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à tourner la page d'un terrorisme qui était aussi violent en quelques années. Et donc l'expérience algérienne, elle est sollicitée. Ils veulent savoir quelles sont les mesures que nous on a prises qui ont permis donc de régler ce problème et de revenir à une situation normale.
Quant à la question du financement opaque du terrorisme, notamment par le biais des nouvelles technologies et des crypto-monnaies, des expertises doivent être faites et échangées au niveau continental, mais aussi au niveau international, pour retracer les circuits de cheminement. D'abord, il faut avoir une meilleure compréhension des circuits et aussi une compréhension qui s'étend vraiment à la dimension technique et à l'évolution très rapide aussi de ces mécanismes. J'ai parlé tout à l'heure des crypto-monnaies, notamment, qui peuvent être un outil qui facilite l'allocation et l'utilisation de ressources par des réseaux terroristes. Ils ont soulevé la question de la technologie moderne qui est utilisée par les terroristes pour le financement, pour atteindre les gens. Est-ce qu'il faut travailler l'action militaire? Tout le monde dit qu'elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il faut renforcer les fonctions régaliennes de l'État. Pour lutter contre le terrorisme, les participants au séminaire sur la paix et la sécurité en Afrique sont unanimes à dire qu'il est plus que nécessaire de mettre en place une coordination internationale et des actions communes afin de venir à bout de ce phénomène. Et notre envoyé spécial, Safwan Ben Sabri, était justement à Oran pour couvrir cet événement. Il a accompagné le ministre des Affaires étrangères ainsi que la délégation. On l'écoute. C'est donc la fin de ce séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Des thèmes majeurs ont été abordés, parmi eux la lutte antiterrorisme, la bonne gouvernance en Afrique, mais aussi la voix de celle-ci dans le concert des nations. Prochain rendez-vous diplomatique à Addis Abeba en février 2022. C'était Safwan Ben Sabri depuis Oran, en Algérie, pour Al24 News. Et au Mali, au moins 30 morts et 17 blessés, dont des femmes et des enfants, dans une nouvelle attaque meurtrière perpétrée hier dans la région de Mopti, au centre du pays. C'est un bus qui a été ciblé par des hommes armés non identifiés alors qu'ils transportaient des passagers vers un marché local. Les détails avec Souhila Akilal. Au moins 30 personnes ont perdu la vie dans une attaque terroriste perpétrée vendredi dans la région de Mopti, au centre du Mali, contre un bus transportant des passagers. Le bus a été attaqué par des hommes armés alors qu'il effectuait son trajet bi-hebdomadaire entre le village de Songo et un marché dans la localité de Bandiagara. Les passagers, parmi eux des femmes et des enfants, ont été mitraillés et le véhicule a été par la suite brûlé. Les violences parties du nord du Mali en 2012 se sont propagées au centre du pays, puis au Burkina Faso et Niger voisins. Elles ont fait des milliers de morts civiles et militaires et des centaines de milliers de déplacés. Plusieurs attaques ont été perpétrées ces dernières semaines au Mali. Le 14 novembre dernier, 7 soldats maliens sont morts lors d'une attaque terroriste au nord-est de Bamako. Le 7 octobre dernier, 16 militaires ont été tués lors d'une attaque d'un convoi de l'armée malienne entre les localités de Koro et Bandiagara. Il s'agissait alors de l'attaque la plus meurtrière frappant l'armée malienne depuis celle contre le convoi du 19 août sur la route entre Bandli et Douenza, également dans le centre du Mali qui avait fait 17 morts. En Afghanistan, plus de 3 millions de personnes seraient dans le besoin, selon le Haut Commissariat pour les réfugiés. Une situation alarmante. À quelques jours de la saison hivernale, il faut savoir que les températures peuvent atteindre moins 20 degrés dans le pays. Amin Touta. Les Nations Unies tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme concernant l'Afghanistan. Pour plus de 3 millions de déplacés, la situation est critique et l'arrivée de la saison hivernale n'arrange pas les choses. Un dernier constat de l'organisation onusienne fait état d'un manque important de moyens de subsistance et des fournitures médicales. À une période de l'année où la température peut descendre jusqu'à moins 25 degrés. Le Haut Commissariat pour les réfugiés n'a pas hésité à lancer un appel pour venir en aide aux 55% de la population qui est confrontée à des niveaux élevés de malnutrition. L'agence onusienne a indiqué l'établissement d'une campagne d'aide à la population qui se poursuivra jusqu'au mois de février de l'année 2022. Des procédures d'urgence pour faire face à la réalité humanitaire qui est marquée par des indices inquiétants. La crise humanitaire est quotidienne en Afghanistan. La faim dans le pays a atteint des niveaux vraiment sans précédent. Actuellement, nous sommes en mesure d'atteindre près de 60 000 personnes.
Plus de 3 mois après le départ des Américains, le pays peine à avoir une reconnaissance internationale et fait face à une crise économique majeure liée principalement au gel des avoirs de la Banque centrale afghane sur décision de Washington. Sans oublier la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui ont suspendu leurs aides malgré les appels sans cesse de plusieurs organisations humanitaires. Et au Niger, situation préoccupante également. En plus de l'aspect sécuritaire, un autre fléau risque de s'abattre sur le pays. Une grave crise alimentaire apparaît. Le Niger, pays aride, a vu une maigre moisson au mois de septembre. L'ombre de la famine plane donc sur plus de 16 millions de Nigériens qui dépendent des récoltes céréalières. Le gouvernement nigérien, de son côté, promet de débloquer des fonds pour éviter le pire. Au Cameroun, 3 gendarmes ont été tués hier à Jakiri, au nord-ouest du pays. L'attaque a été revendiquée par les séparatistes qui ont présenté sur les réseaux sociaux le matériel militaire qu'ils ont récupéré lors de l'attaque. Le nord-ouest et sud-ouest du pays, qui sont les deux régions anglophones sur les 10 que compte le Cameroun, sont confrontés à une grave crise sécuritaire depuis fin 2016. Dans un climat pour le moins apaisé, la Gambie a ouvert ses bureaux de vote aujourd'hui pour élire son nouveau président. Premières élections après le départ forcé du pouvoir de Yahya Jammeh. Un scrutin qui se déroulera en un seul et unique tour. 2 candidats se sont démarqués lors de la campagne présidentielle. Le président sortant, Adama Barrow, et l'opposant historique, Ousseynou Darbo. 2 thèmes majeurs ont dominé leur campagne, à savoir la lutte contre la pauvreté et les violations des droits humains sous l'ère de l'ancien président Yahya Jammeh. Et direction la Zambie, avec une dette de plus de 13 milliards de dollars, le pays reçoit l'accord du Fonds monétaire international pour un crédit à hauteur d'1,4 milliard de dollars, une facilité de crédit sur 3 ans qui va être donnée au gouvernement de Hakainde Hichilema, président zambien élu en août dernier à la tête du pays. Hichilema qui a promis des réformes et une enquête pour mettre la lumière sur la dette accumulée par son prédécesseur Edgar Lungu. Pour convaincre le FMI, le nouveau président a proposé de supprimer les subventions sur les engrais, l'électricité et les carburants, une décision qui risque d'entraîner un fort mécontentement social. En Tunisie, les universitaires n'ont plus que quelques jours pour se faire vacciner contre le Covid-19 afin d'accéder à leurs établissements. Le ministère tunisien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique avait annoncé que le pass vaccinal contre le coronavirus sera obligatoire à partir du 22 décembre pour accéder aux universités. Toutes les structures relevant de l'État, les collectivités locales et les instances, les entreprises plutôt et les établissements publics, ainsi que les établissements éducatifs universitaires et de formation professionnelle sont concernées. En Russie, au moins 75 000 morts liées au Covid-19 ont été recensés durant le mois d'octobre, le plus lourd bilan pour le pays depuis le début de la pandémie. Un bien triste record pour la Russie qui voit le nombre de contaminations pour la journée d'hier atteindre les 32 930 nouvelles infections et 1217 morts recensés. Une situation inquiétante, d'autant plus que seuls 39,9% de la population russe est vaccinée. Et au moment où le variant Omicron enregistre une présence dans plusieurs pays, l'Organisation mondiale de la santé affirme n'avoir enregistré aucun décès lié à ce nouveau variant. Les détails avec Amine Touta. Après plus d'une semaine de sa détection en Afrique du Sud, le variant Omicron se répand dans l'atmosphère. Des cas enregistrés dans 38 pays au niveau de 6 régions différentes dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, aucun décès dû à ce nouveau variant a été enregistré pour l'heure. Cependant, il faudrait plusieurs semaines pour déterminer le degré d'infectiosité de ce variant et sa capacité de résistance au vaccin. Cela dit, l'OMS juge probable la propagation du variant et plaide toujours pour le maintien de la vaccination. Les premières contaminations hors Afrique australe au variant Omicron ont été identifiées chez des individus ayant effectué des voyages dans cette région. Par la suite, des cas de transmission locale ont fait leur apparition aux États-Unis, avec 10 cas dont 2 détectés chez des personnes n'ayant pas voyagé. Et l'Australie qui a annoncé le 3 décembre l'identification de 3 cas dans la région de Sydney.
En France, 12 cas d'infection ont été confirmés, selon un bilan publié par les autorités de la santé publique. Pendant que l'Organisation mondiale de la santé penche vers la piste des immunodéprimés identifiés comme facteur de mutation de ce nouveau variant qui a pris d'assaut toute une planète, le débat autour de la vaccination pour tous est déjà relancé. Le désaccord s'accentue entre les États-Unis et la Russie autour de l'Ukraine. La Maison-Blanche étudie plusieurs options, dont des sanctions économiques contre Moscou. Le président américain Joe Biden est censé s'entretenir bientôt avec son homologue russe, Vladimir Poutine, qui a massé ces dernières semaines des dizaines de milliers de soldats aux portes de l'Ukraine. Mohamed Amina Berkane. Une initiative aux lourdes conséquences sur la sphère géopolitique entre le pays de l'oncle Sam et la Russie se prépare. Joe Biden et son administration s'apprêtent à défendre l'Ukraine bec et ongles en cas d'invasion russe. Disant être en contact constant avec les alliés des États-Unis et les Ukrainiens, le président américain a déclaré depuis la Maison-Blanche, je cite, « Je suis en train de préparer ce qui sera, je crois, l'ensemble d'initiatives le plus complet et le plus pertinent qui soit pour rendre très très difficile à Poutine de faire ce que les gens craignent qu'il fasse. » Joe Biden n'a guère été plus disert, indiquant qu'il y avait, je cite, « une série d'outils à sa disposition parmi lesquels des sanctions économiques qui étaient une option, parmi tant d'autres selon la Maison-Blanche ». Le président américain et son homologue russe doivent prochainement échanger directement sur les crispations autour de l'Ukraine, 7 ans après l'annexion russe de la Crimée et la prise de contrôle d'une partie de l'Est de l'ancienne République soviétique par des forces séparatistes pro-russes. Mais la date et les modalités exactes de cette conversation ne sont pas encore connues. Nul doute qu'en massant des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne, comme lui reprochent Washington et Kiev, Vladimir Poutine a regagné l'attention de son homologue américain. Pour apaiser les tensions, Moscou réclame des garanties sécuritaires et notamment l'assurance que l'OTAN ne va pas continuer à s'étendre vers l'Est en particulier avec une adhésion de l'Ukraine. Kiev, de son côté, refuse catégoriquement d'abandonner un tel projet d'adhésion formellement sur la table depuis 2008. Adhérer à l'OTAN signifierait que les autres pays de l'Alliance, États-Unis en tête, seraient tenus d'intervenir militairement pour défendre l'Ukraine en cas d'agression. Le président français Emmanuel Macron a entamé une visite dans les pays du Golfe avec à la clé la signature de plusieurs contrats. Aujourd'hui, Macron a rencontré le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman à Jeddah. L'étape saoudienne revêt un caractère particulier dans la mesure où le dossier libanais sera présent en force. Leïla Gertal. La tournée d'Emmanuel Macron au Golfe rappelle étrangement celle du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en Afrique. Le parallèle s'impose par deux aspects, à savoir les deux pays s'efforcent de conquérir, économiquement et stratégiquement parlant, des régions qui jusque-là ne constituaient pas leur précaré traditionnel. Le redéploiement français dans le golfe arabo-persique revêt plus d'une lecture. En dehors du partenariat militaro-économique, en l'occurrence les contrats juteux conclus avec Abu Dhabi par l'achat de 80 Rafales, cette tournée s'inscrit aussi dans la lutte contre le terrorisme. Ces pays constituent désormais pour la France une sorte de rempart contre les groupes extrémistes terroristes. Le Qatar, qui accueille des négociations avec les talibans, en est la parfaite représentation. L'étape Arabie Saoudite, quant à elle, consiste à définir les axes de pouvoir. Pour sa rencontre avec le prince héritier Mohammed Ben Salman, la première du genre après l'affaire controversée de Jamal Khashoggi, l'importance est tout autre. En plus d'être un fournisseur énergétique de taille, l'Arabie Saoudite est également un bon client en matière de technologie et d'armement. Sur le plan politique, les deux pays détiennent un pouvoir de décision à ne pas laisser de place au doute au Liban. Le Liban demeure la question du jour pour les deux pays. L'Arabie Saoudite a organisé le G20 il y a plus d'un an. Tous les leaders du G20 étaient là. Juste, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Je ne cautionne rien, je suis exigeant, nous continuons de dire. Ensuite, qui peut penser une seule seconde qu'on aide le Liban, qu'on préserve la paix et la stabilité au Moyen-Orient, qu'on œuvre, si on dit on ne parle plus à l'Arabie Saoudite, le pays le plus peuplé et le plus important du Golfe. Donc ça ne veut pas dire que je cautionne, ça ne veut pas dire que j'oublie, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas des partenaires exigeants, ça veut juste dire que nous sommes une grande nation qui doit œuvrer dans le concert des nations, et c'est cela de tout temps. C'est comme ça que ça se passe.
Et donc ça n'est pas réhabilité ou cautionné. Il faut que les gens regardent ce qui s'est passé ces 18 derniers mois au lieu de dire des bêtises. C'est juste agir pour notre pays et pour l'intérêt de la région. En se tournant vers les pays dits du hard power, Paris tente d'élargir son champ d'action et ses pôles d'influence. Et on va revenir sur les résultats des matchs de cette journée donc. La Jordanie s'est inclinée 4-0 face au Maroc. L'Égypte a battu le Soudan 5-0. La Palestine joue à 20h contre l'Arabie Saoudite. Et le commissaire des Jeux méditerranéens 2022 d'Oran, Mohamed Aziz Darwez, a affirmé que le dossier des kits antidopage a été réglé et les scénarios des cérémonies seront présentés au CJM lors de la prochaine visite des chefs de mission à Oran, prévue du 8 au 12 décembre. On écoute. La 19e édition des Jeux méditerranéens de permettre la participation étrangère qui normalement est une participation financière pour chaque athlète et chaque dirigeant qui participe. Donc pour être présent aux Jeux d'Oran gratuitement, sans payer quoi que ce soit. C'est une décision politique qui accompagnait notre candidature, mais qui en même temps était déjà le premier message de bienvenue de l'État algérien en direction de la famille sportive méditerranéenne. Et un peu de culture avant de se quitter avec les rendez-vous culturels algérois du moment. On commence avec l'événement de l'École des Beaux-Arts d'Alger où les élèves de l'établissement exposent leurs différents travaux. Expressions multiples, c'est le nom de cette exposition qui est ouverte à tous les amateurs des arts plastiques. À l'espace Artissimo Alger, vous pouvez retrouver l'exposition de l'artiste Tinhinen Mezrich et direction le Théâtre National Mahieddine Bechtarzi où se joue la pièce théâtrale Ramada 19, adaptée du roman Layliyat Ramada de Wassini La Redge, qui sera représentée jusqu'au 17 décembre, sans oublier les projections des films dans les différents instituts culturels d'Alger. Un événement est organisé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ça se déroule jusqu'au 13 janvier 2022. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo avec ML Mzien Zitouni. D'ici là, passez une excellente soirée sur Al 24 News.